Il y a une intention de faire l'autre côté tout. C'est bien. Mais l'on regarde la somme de choses qui a été faite et l'on mettait négatif ou positif, négatif la penche en bord. Bon. Maintenant, je connais que. Ça veut dire qu'il y a plus négatif que positif. Oui. Maintenant, deuxièmement, il y a un peu de monde qui a parlé de l'affaire augmentation de gaz là, que l'État a de l'autre côté, que le cap en ressources. C'est vrai tout. Il y a un paquet de gaspillage qui est fait pendant ces dernières années, période de matériel, période privée, etc. Il y a un bon côté de l'État qui a joué de l'autre ressource. Je ne dis pas le contraire. Mais en même temps, tout, pour l'autre problème qui arrive. Même quand le président de bonne foi, il faut tester. Et c'est travail nous-mêmes dans la presse pour tester. Je ne prends pas. Bon, ben, il y a les caravanes de changement. Et bien ça, il y a 100 millions de gouttes qui dépensent pour sécuriser le 48. Ça fait près de 1 500 000 dollars. Très bien. Je me suis dit qu'il les rappelle. Mais tracteur sous pied pour deviner le canal. Est-ce que j'aime gagner, après un mois que ça va le fait là, 1er juin, un journaliste qui est en haut, incognito, pour l'enquêter, pour qu'on ait qui suit ça va gagner. Parce que je ne sais pas, Wendel, le homme qui est président d'Haïti, quel que soit le président, ou si tu n'en parles pas, ou bien 10 000 causes qui viennent parler, ou bien des choses qui viennent sont arrêtées, mais attendez. Bien souvent, son monde spécialement, pour faire état de radio, pour prendre sa cap, pour prendre comment il y a. Si que vous n'avez pas de qui monte en haut là, qui pour dire, ah, ben ça a raison, vaste bluff qu'il y a, parce qu'après un mois, deux mois, trois mois, pourquoi j'aime gagner qu'après grand roi, alors que vous n'avez pas de copes qui dépensent, vous n'avez pas de matériel qui transféré, alors que vous avez un bon espoir que le président du pays établi sur la reprise de la production nationale. Est-ce que vous monté au même, Michel? Qui pour faire, vous avez un monde qui monte? Non, est-ce que vous monté? Non, je ne peux pas monter. Non. Qui vous fait reprise de la production nationale, qui pour faire que le pays a recommencé à vendre, pour ne pas gagner dollars contrés, pour dollars descendre, pour ne pas gagner moins de dépendance alimentaire. Donc, c'est un gros bagaille. Dans tous les pays du monde, c'est une grosse affaire, reprise de production agricole, production nationale. Il en a fait son cheval de bataille. Mais si après un mois, deux mois, trois mois, pas gagner qui démarre, vous et que nous-mêmes, nous voyons les gens sur le terrain qui pour constater ce qui a passé, qui pour dire où est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on n'a pas fait. Les gens qui sont dans le palais national, là, ne peuvent pas connaître. Parce que je répète. On parle de président. Oui, je répète. Son pays a eu juste tout côté de l'école. En tout cas, deuxièmement, le président n'a pas qu'à doubler. En tout cas, Eddie Jazil, qui est la Tibonette, lui dit où est le travail a fait. Je suis bien content. Mais cependant, j'ai besoin que des professionnels de l'information qui comptent poser des questions, allant ou à incognito, qui pour garder qui ça a passé vraiment. Je connais que y a des paysans dans la zone qui disent que c'est la première fois, depuis longtemps, que y a de l'eau qui coulait dans une série de canaux. C'est positif. Même qu'on est tout que nous-mêmes haïtiens, nous pas font d'entretien. Je connais tout sous tout qui peut être calé, il faut un bel dérapement et puis bon politique trompe-l'œil. Je fais ça pendant 5 ans là déjà. Donc ce qui veut dire que mon besoin qu'on ait, est-ce que fois ça a fait maintenance? Est-ce que fois ça c'est un bel dérapement à bail? Et puis au lieu que nous bon vraiment y ont autant l'air, c'est pour qu'on suspend d'une maman, même Jean Badelmar. Au lieu que nous disons de pas nous dépenser 8 millions de dollars dans l'aéroport, peut-être donc t'as venu et puis la pluie a venu l'autre jour, doit venir pire. En d'autres termes, on bave gaspillage encore, on bave temps perdu encore, on bave énergie gaspillée encore. Je voulais pour gagner. Parce que l'ordi ou lancement de la production agricole, c'est pour pas Jovenel Moïse lié, non? C'est pas un gouvernement lié, non? Son politique d'État, oui, lié. C'est sur son pays, Chita, oui. Ça veut dire son bagage qu'il a pendant des générations. Oui, mais qui n'a pas aucun résultat si pas une volonté politique. Non seulement volonté politique. Volonté politique, ça, il faut qu'il sorte quelque part. Non, c'est pas seulement volonté politique, là. Ou capable comme président de volonté, mais fonctionnaire sous place de volonté lui-même. Est-ce que lui-même n'a pas fait business avec cap vendre semences étrangers? Est-ce que lui-même n'a pas fait raquette sous tes paysans? Il y a des choses qui ne sont pas les paysans.
Est-ce que nèg ko voye tracteur ba yo pa chita pou le tracteur pour faire job privé oui, mais pour casser dans poche li? Est-ce que pa gon ti contradiction parce que là on dit que faut que président pa ka vérifier lui-même? Mais ou même comme journaliste ou ka vérifier pour gon ça ka passer parce que moun n'a pas la voix. Non mais c'est même bagarre avec l'hôpital là, on dit que le pas obligé aller pour parce mais justement ça que faut que journaliste ou pa ka voye moun al le. Mais on se journaliste tout Michel Souka, on allez. Mon ami, je parle de la presse générale, pas fait personnalité. Ben on avance. Oui. Donc ce qui veut dire que nous-mêmes, toi, en tant que citoyens, il faut faire travail, nous. Il faut faire travail, nous. Parce que nous avons pris des cas dans l'État. Écoutez, depuis 60 ans, nous avons travaillé dans l'État à 50-40 ans. L'habitude, le président a fait belle déclaration déjà. Mais il connaît que le poisson pourri par la tête. Mm-hmm. Il connaît que Haïti, son loi, son pays, côté une loi chaud dans le matin, après-midi, le fret. S'il parle que bon suivi, s'il parle que bon contrôle, s'il pas tendé à dénoncer son série de bagarre dans la radio. Il pas quoi non qu'on va y faire. Alors on faut s'y camper. Gagner un spot pouvoir qui a diffusé sur plusieurs médias. Oui, on habitué à ça. Et dans spot, ça mais Michel, qui te pose une question? Au moins. Allez. Ça veut dire au spot là, non ça va l'annoncer caravane dans l'Artibonite. Oui, très bien. Il a annoncé tout que li bientôt le parle dans le sud. Bon, et c'est ça me pas comprendre. Et il a fait 10 pays, il a fait 10 départements pays. Hein. Ouais. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que est-ce que appréhension qu'on exprimer ça ou encore questionnement ça qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est à pour dire, Mounio, attention, pour caravane n'a pas transformé en vaste opération de bluff ou opération de démagogie. De démagogie. Ça me l'a dit. Mm-hmm. Parce que comme citoyen, il y a des questions que je m'ai posées tellement. Parce que je suis dans des pays à pas de corps, je suis dans des obligés pas subventionner le gaz encore parce que l'État n'est pas capable. Mais en même temps, nous voulons lancer caravane dans la Tibonite. Nous voulons arroser pour planter des dizaines de milliers de carreaux. Pour reprendre et même dépasser ce que Dumas estimé avait fait dans le cadre de DVA et qui pas poursuivre et ça m'a dit là estimé qu'ils font bon bagage mais on va poursuivre. Deuxièmement, en même temps nous voulons faire le nord sud tout qui dévastait. La question que je me pose et que réalité pas même non plus pas même avec quel argent, avec quel moyen? Parce que c'est un bon exemple. L'autre jour dedans doit pas lancer de magistrat quoi des bouquets, magistrat Kafou Kabdou. Le la pluie vini, bon, la kaye, nous ne pouvons pas nous battre l'odeur pour aider les gens, évacuer des briques vini que la pluie a apporté pour route la fonctionnelle. Parce que une bonne bagarre est concertée dans la Tibonite. Quand on est à la côté, on prend une ressource là, pour même temps faire concentration de matériaux sur la Tibonite, qu'on a pour faire dans le sud en même temps, et dans tout le pays, j'en saute dire là. Côté balpon. Hein? Quand on a amené des tours, on fait l'armée, avec qui comme? Un bon projet, bon, je vais poser tellement de questions. Est-ce que ce ne sont pas des paroles en l'air? Est-ce que ce ne sont pas des intentions? Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mon frère. Bon, ça dépend de qui l'âme a besoin, tout, Michel Souka. De? Ça dépend de qui l'âme a besoin. Nous n'avons pas qu'à faire l'âme et nous n'avons pas fait l'âme. Pas que des gens pourront sous bluff, parce que ce n'est pas un agenda puissance qui a dominé le pays. Ça, pour Haïti, il y a l'âme. Parce que deuxièmement, on l'âme, c'est quoi? Il faut gagner infanterie, faut gagner gendarmerie, faut gagner aviation, faut gagner marine. Bon, nous avons des ressources pour ça, et nous n'avons pas de ressources. Si nous avons fait le bouillon, nous n'avons pas fait le bouillon. Maximum, ça a été fait, c'est ça, il y a encore de carabiniers. Et nous n'avons pas besoin d'Américains. Pour nous faire, les gens qui sont là, c'est les Chiliens. Et nous avons besoin d'un PNH avec une formation Chili pour ça. Maintenant, carabiniers, c'est quoi? C'est une police militaire. Ça veut dire qu'il y a contrôlé les coteaux, qu'il y a contrôlé les frontières, qu'il y a fait patrouille, qu'il y a capable de combattre les terroristes, qu'il y a capable de combattre contre les bandes, qu'il y a capable de combattre les trafics de drogue. Mais ça demande investissement en termes de monde, ça demande investissement en termes d'argent. Donc, l'on gagne tout projet, ça va à la fois. Là, je me pose la question. Bon, avec quoi? Mais on songeait tout que c'était un décret qui était dissous de l'armée. Et puis? Ah ben, et l'autre, puis? L'autre monde qui connaît même avec vous, Michel Soukayo, dit qu'il suffit d'un décret pour la remobiliser. Il ne faut pas jouer avec les choses sérieuses. Remettre sous pied un corps de défense que nous voulons le carabine ou le gendarme ou autre, c'est bon bagage aussi. En un tour de main. Donc c'était inutile d'abord même pour bon, remettre au ministère. Depuis ce matin, il y a une sorte de livre blanc qui était fait, etc. Mais écoutez. Non, mais est-ce qu'on connaît que l'embryon de secrétaire de l'armée est déjà à l'œuvre dans le pays aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît ça? Ça l'a fait. La première, c'est Fatra.
Oui, mais on travaille. La PD dans la catastrophe naturelle. Oui, bien sûr. Il y a fait déjà. Bien content. Après Mathieu. Bien content. Parce que je me tendais que il y a fait pour comment combattre, faire développement, combattre, aider les gens, les gens cyclones, les gens ceci, les gens cela. C'est très bien. Mais pas oublier, où son pays dominé. Où son pays dominé qui est contrôlé par FMI, par Banque mondiale, par les États-Unis, par la BID. Si vous dites que vous voulez faire des choses, c'est vous-même pas d'accord. Il faut prouver qu'on a des ressources là. Et deuxièmement, où vous avez des redevances vis-à-vis de vous, il faut d'abord honorer les redevances avant qu'on fasse ce que vous voulez faire en toute liberté. Vous n'êtes pas d'accord pour parce que vous avez dit, on va discuter que vous avez des ressources pas non. Parce que vous avez dit que Haïti n'a pas besoin. Pas besoin là. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, je me souviens en 1969. Le Nelson Rockefeller est venu ici. Nelson Rockefeller était au Avanza du Allier. Monsieur a fait un rapport, que par exemple, il a ici qui dit rapport ça. Monsieur a dit un rapport, Haïti est un pays, côté moi marqué, l'obéit les institutions haïtiennes moyennes pour mettre l'ordre, ils ont servi avec un instrument ça pour tuer les haïtiens pareils, pour opprimer les haïtiens pareils. Haïti est un pays de la génération à venir, son grand bail pour nous essayer de faire la donne. C'est pas le moins moyen. Puis tout pisé à Issa pareil. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ça la réponse. Donc. Oui, c'est ça la réponse. Donc, question c'est la raison pour laquelle Colin Powell était venu en 2005. Là, il était d'eau. Son pays n'a pas besoin de ça. Sécurité, il l'a sous contrôle l'armée dominicaine. Et il était comme ça déjà depuis dans les rapports entre Duvalier et Trujillo. C'est comme l'aide qui existait. Ça fait de souveraineté à lui-même. Ça n'a pas existé. C'est un mot. Maintenant, là, tu as une lettre que tu as été revue François Duvalier. Quand François Duvalier était demandé, monsieur, pour aider à sécuriser le gouvernement, tu as été répondu, monsieur, je ne vais pas inquiéter, mon cher. Sécurité, il l'a sous compte, moi. Pas bas de corps. Si nous pensons que l'aide, ça, c'est inventé maintenant, allez le livre Marcel Auguste écrit, qui est le coup d'œil sur l'administration de l'UNESCO. Monsieur, vous pouvez dire au parti dans l'aide, ça, là-dedans. Son politique qu'il a longtemps déjà. Donc, Trujillo dit François Duvalier. Pas bas de corps. Sécurité ou sous comme sécurité, il l'a sous compte l'armée dominicaine. Et ça empêchait, par exemple, que les Blancs ont débarqué, Dominique n'a pas dit, pas de lever le petit doigt. Mais c'est maître là. C'est le maître. Ah, c'est nous tous les mêmes maîtres alors. Bien sûr. Les deux. Vous êtes les deux, nous sommes des pays dominés par les États-Unis. Depuis la même période là. Depuis la période qu'Américain a été gêné. Si je comprends Michel Soukassou, il y a des paroles, il y a des vocabulaires, il y a des mots que tu as supposé rayer, disparaître de vocabulaire, non? Mon cher, je n'ai pas gagné l'habitude de tête me mentir, ni de monde mentir. Son bail que m'essayer de combattre. Et ça fait qu'il n'y a pas de non-série de pays, il y a des mots que je vais utiliser, tant que mot indépendance, souveraineté, parce que je connais son mot qui a bon menti là aussi. Il y a un pays qui n'a pas quand même décidé de son modèle. Comment le faire indépendant? Je ne comprends pas. Il y a un pays qui n'a pas même capable de faire le peuple manger, qui n'a pas capable de râler pour le mettre, qui n'a pas capable de sous le mettre dans le pied. Comment faire souverain? Son pays qui est Edmond Paul, l'un des leaders du Parti libéral, qui a dit depuis les années 1860. Oui. C'est un coup qui n'a pas de paysans. Mais il faut remplacer mon soeur par qui ça? Par qui ça? Que nous sommes un pays indépendant, dominé. Pas grand fait de souveraineté là. Tous et toutes bagages sont les attributs de la souveraineté. Ne sont que des apparences. Ça oui, fait des drapeaux, des présidents, ce ne sont que des apparences. Donc dominé, dépendant, soumis aussi. Mon cher, tu as gagné. Ouais, pour que vous soumis, des îles totalement soumises. Pourquoi tu as gagné en politique du 20e siècle que tu as dit ça hein? L'histoire de l'indépendance des petits pays n'est autre que l'histoire de leur dépendance. Nous-mêmes, nous entrons dans cette dépendance là. Depuis la mi-temps du 19e siècle. Depuis le ça que les grands pays européens, l'Angleterre était à l'époque, l'Allemagne après, parviennent à contrôler le marché, nous, contrôler le commerce, nous, contrôler la monnaie, nous, et puis ils ont contrôlé la vie politique. Nous. Depuis le ça, on est entré dans le cycle dépendance. Là. Maintenant, à partir de l'année 1910-1912, les Américains ne sont pas remplacés jusqu'à ce que 1915 ils fait l'ouvertement. Ça, c'est l'indépendance haïtienne. Là. Ça m'a dit l'état des Saliniens, les durées de 1804 jusqu'à Geffrard. À partir de Geffrard, nous entrons dans le cycle de la dépendance. Et ça vient.
sans aucune forme de procès, que consacre, écoute, donc c'est Wendell, c'est un Wendell, fait. Si ça, son vase, pas vrai, qui a des belles petits coquillages là-dedans, je prends pour autre, ce n'est pas faute ni ou ni moi. C'est ça lié. Ce n'est pas pareil là qu'inventel. Mm-hmm. Faut gagner. Alors, quand ça passe, moi seulement imaginer haïtien qui, tant qu'au mieux, qui souvent a baité tout menti, j'en ai baité tout menti. C'est le sport national, baité tout menti. Non, alors, je regarde pour moi avec qui oreilles il y a tant d'eau là et qui tête. Mais ça, on a dit là, on a dit que c'est un déjà. Oui, mais pas de manière si crue. Pas aussi crue. Mais nous dit le clair. Nous toujours dit le clair. Un bonhomme qui est candidat pour être président, député, sénateur dans un pays comme Haïti, il est candidat pour aller servir l'Empire, pour aller servir le système. S'il ne peut pas le faire, il est capable même arriver député, sénateur, ministre, président, premier ministre, allié. Hein? S'il arrive qu'on y a là, il y a Bruxelles. Est-ce que vous croyez que, bon, on prend 2,86 à nos jours, est-ce que vous croyez que tous les présidents qui se sont succédés au pouvoir en Haïti, tout était exactement à jouer jouette en pire, là, j'en dis là. Tu es au service même du système. Même les certains moments, pas de jouer le dessert. Tout le monde est. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pense. Sauf Maniga qui fait 4 mois. Bien que Maniga pas de vle sortir en bas en pied là, non? Maniga te vle équilibrer les choses. Il n'a fait que 4 mois. Mais par contre, on va en bas, j'en dis. On l'a mis dans un bureau quand Andrés Pérez avait dans le palais Miraflores, Caracas. Ou même? Oui. Carlos dit, je vais prendre un avion pour me parler à Rigan, pour me dire Rigan, bye Maniga en chance. Je vais aller dans le téléphone pour me dire, je vais venir beaucoup tôt, je vais prendre un avion de Caracas pour aller à Washington. Pour me dire pour bailler président Maniga en chance parce que l'Amérique est toujours considéré le SLI comme un européen francophile. D'ailleurs, il y a une tradition comme ça. Les Maniga sont des gens proches de la France. Depuis François Césuré Maniga, qui est mort en 1899, donc il y a toujours les Maniga comme des Français. Carlos dit donc, moi je vais prendre un avion pour mal parler avec Gun pour me dire bah, Maniga en chance parce que ce n'est pas un extrémiste, ils sont démocrates chrétiens. Modèle la démocratie chrétienne en Amérique latine. C'est toujours un route de secours pour les États-Unis. Léo pas de besoin d'un dictateur militaire. Il y a un bon démocrate chrétien, par exemple. Léo fin évacué au Chili Pinochet. Il y a un bâtisseur à l'Ouini, qui est un démocrate chrétien. Je dis, on a fait. Distance pour un brave. Pendant mon lèvre, je dis, c'est coup d'état fait en Haïti. Maniga out. Il n'y a pas même qu'il y a un message. Ah, je dis, pendant l'avion, pour même pas décoller. Coup d'état fait. Donc, vous pensez que c'est réaction Clinton? C'est pas Clinton, Ronald Reagan. Reagan, pardon. Réaction Reagan. Reagan, non, c'est pas, c'était Reagan, non, c'était Bush qui m'a dit Reagan. Pas songer, pas fin de situer ou bien. Oui, c'est ça, c'était Reagan. Reagan était dans le fin. Est-ce que. Bon, je connais que Maniga a fait un pile de temps en tant que professeur d'université Caracas, mais est-ce que vous pensez que c'était uniquement ça? Rapport intérêt Venezuela. Je m'explique comment, Wendell, je m'explique. Mettons par exemple une relation personnelle avec un monde, pas pour abattre au niveau de deux mondes. Ou tellement gâté mon nom, ou tellement dit oui pour tout ça, je l'ai. Pour qui ça qu'on a pour le changer, pour l'autre monde qui a dit oui, mais. Alors qu'avec toi, il a tout ce qu'il veut. Tout, sans aucun effort. Sans aucune responsabilité. Donc, Maniga, c'était ça. C'était oui, mais. Femme gentille, si, femme gentille. Non. Pour donc, qui ça? Donc, ça, c'est Maniga par rapport aux Américains. Oui. Mais écoutez, c'était pratiquement une autre période. Après Jean-Claude Duvalier. Après Jean, nous sortis en bas de la domination américaine, non? Non, après Jean-Claude Duvalier, vous avez vu l'amphi. Attendez. On nous fait très vite. Parce que moi, on est passé pour. De 1915 à nos jours, il y a 4 moments, non seulement en Haïti, mais au niveau continental, même mondial, la politique américaine qui définit la hégémonie de l'État. 1. La lutte contre le pire allemand de Guillaume II. Les balayer, les contrôler la Caraïbe, les mettre allemand dehors. 2e chose, la lutte contre Hitler, le nazisme. Les balayer, les vins ouverts davantage.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire anglais s'effrite, l'Empire français s'effrite, le monde est divisé en deux, l'Union soviétique, les États-Unis. Troisième moment donc, c'est la lutte contre le communisme. Les vins gagnent net à partir de 1991. Dans le moment ça, qui s'appelle la guerre froide là, l'installer dans un bon pays des régimes durs pour lutter contre le communisme. Mm-hmm. Parmi lesquels Duvalier la donne. À partir des années 1984-1985, les gens sentent que l'Union soviétique va s'effriter, ils commencent à préparer la guerre, l'après-guerre froide. Donc, le conseil de régime n'a pas besoin encore. Tu balais Duvalier ici, tu balais Marcos aux Philippines, et puis remplacer maintenant par des régimes, disons, qui pour mener une transition entre guillemets démocratique. Voilà. Maintenant qu'on y a là, autre mouvement, c'est la menace islamiste. Mm-hmm. Et c'est là, à côté, c'est nous-mêmes haïtiens, nous devons faire attention de ce qui a joué là. Et nous avons une surprise par ici. Parce que l'islamiste a infiltré dans toute structure qui est faible pour frapper les États-Unis. Contrôle l'aéroport, contrôle des ports, contrôle du territoire, tout cause de ça. Mm-hmm. Bon, nous connaît... Si nous-mêmes nous comprenons que nous cachitons dans le pays là, qui ça pour nous faire ça, nous voulons là, pour nous piller, pour nous voler, hein? Mm-hmm. Sans contrôle là, nous avons payé les conséquences là. Bon, nous connaissons qu'au cours de ces dernières années, nous connaissons que, effectivement, peut-être pour bonne raison, à ce moment-là, il y a un pile de monde suspect qu'ils ont intercepté en Haïti. Oui, ceci depuis la fin des années 90. Il y a eu un homme qui a participé à une opération au septembre 2001 qui était passé en Haïti. Mm-hmm. Oui. Il y a un auditeur qui est à l'étranger qui dit que pour me poser une question, ça a appelé. Mm-hmm. Qui est-ce la bourgeoisie haïtienne gagne dans sa nuit aujourd'hui? La bourgeoisie haïtienne, essentiellement, son bourgeoisie de commerçants. L'acheter, le vendre, il n'y a pas de produit. Seul côté, ils font petite production. C'est là que les sous-traitants, c'est tout. Au grand bourgeoisie, essentiellement, d'import-export. Et puis, au grand bourgeoisie de sous-traitants. Mm-hmm. Bon, pas grand bourgeoisie vraiment de producteurs. Voilà. Mm-hmm. Ou qui ça l'acheter vendre les produits? Parce que ça, au commerçant fait. Au commerçant, ils sont monde qui placé dans une position entre le consommateur, acheteur, et puis maintenant, celui qui offre le produit. Si vous même vous avez ici un bon produit, là, il fait rapport qualité-prix. Il voit que la bon produit pour le bon produit, là, pour le vendre, ben, le consommateur l'a fait. Mm-hmm. Mais si vous n'avez pas produit, c'est Dominicani, il joue un produit, c'est aux États-Unis, c'est de l'autre côté. La prennent tout le vent du même genre. C'est tout. Bon, mon petit réaction sur la décision américaine prend pour prolonger TPS en seulement de 6 mois. Aïe, aïe, aïe. Bon. c'est ça que je dis à l'heure. N'a pas demandé au gouvernement américain pour faire travailler pour nous, nous-mêmes, l'État ici. Pour qui ça que gagner depuis. Des générations, tout haïtien ça pour aller. Jusqu'à ce qu'on est là, depuis la bombe, ça vient plus grave. Gagne qu'aux États-Unis, il y a 58 000, que destin est suspendu en question de TPS. C'est parce que vous n'avez pas vivre dans le pays. Pourquoi ça ne veut pas vivre dans le pays? Nous avons toutes les réponses là déjà. Nous n'avons pas ménagé le pays pour haïtien vivre là-dedans. C'est même genre. L'État haïtien est conséquent à tête, lui, mais pas le domaine d'éducation. Qui quantité de monde que l'État ici connaît, qui a produit, qui a employé, qui a formé, qui a employé, il y a une limite. Là, après, chez l'État ici, que vous n'avez pas amélioré ceci, vous n'avez pas amélioré cela, il n'y a pas qu'on est, il n'y a pas qu'on est. Ni lui-même n'est pas employé, ni secteur privé haïtien n'est pas employé. Combien de monde comme ça qu'on commerce besoin pour l'employer, pour le faire? Combien de monde comme ça qu'on factory besoin pour l'employer, pour le fonctionner? Donc l'État et les élites sont des missionnaires. Mais ils ne sont pas capables d'employer, c'est vrai. Ils ne sont pas capables de former des gens. Les filles ne sont pas employés, donc ils travaillent pour l'exportation. Donc, on est à la monde, il y a à l'étranger, puis ouais, si ils sont capables de joindre la vie. Mm-hmm. Voilà. Aussi maintenant, simple. C'est aussi simple que ça. Maintenant, après, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette TPS là? Trump, l'électricandidat. L'idée c'est en Floride, là, par la communauté haïtienne, elle te dit je serai votre champion. C'est quand il dit t'as parlé. Que tu n'as pas le dessin de cause, je vais prendre soin de vous, bon, c'est de l'autre. Mais qu'on a fait le président. Et pourquoi j'aime mon politique haïtienne, non, là. Il faut qu'on va me dire qu'on ambassadeur. Et pour lui, il ne t'a pas parlé.
tout ça que fait en Haïti là de 1994-95 à nos jours c'est resté Clinton qui là c'est beaucoup bagarre par là c'est pas bagarre du tout. OK, n'a fini bon mon petit réaction à manifestation dans la rue professeur ouvrier sous-traitance. Bon, Wendell, m'pa kwè que nou te ka atann nou lòt bagay après augmentation prix essensyo. Tout moun konnen que depuis prix carburant monté, tout bagay monté. Donc moun yo ap defann intérêt yo. C'est-à-dire que chaque moun a besoin toucher kòb yo, sa pou jam touche. Gen moun ki besoin toucher pi bien pou kapab viv. Et m'tande président di li, c'est normal pou moun demande ça. Maintenant, m'tande gen moun ki suspect tout, gen des mains politiques d'elle. C'est possible tout. Dans la mesure où que gagnent des raisons valables, des revendications qui justes pour mon aller dans la rue, pour joindre des monde qui profiter de ça. Mais dans ce gouvernement pour qu'on est dans ça l'a fait qui gros secteur que le gagnent en face lui que la paiement est intérêt. Voilà. Et on l'autre auditeur qui dit me dire comme ça il semblait que les noms en danger nous obligeaient les dominicains. C'est ça le dit. Bah me donne une comme ça là. Non, puisque comment il a dit du Duvalier, tout il a dit du Duvalier pas inquiéter qui était sécurité l'île là non mais oui, c'est pas besoin battre quoi, pas inquiéter tout bas. Donc là nous gain problème tout nous même nous en danger, donc les dominicains, c'est ça auditeur dit Mando. Non, c'est pas ça me dit. Parce que mon autant de ça ouvre tout, oui. OK. Moi dit que jusqu'à présent, la seule force de défense sérieuse militaire et policière et service secret qui existait sous il là, c'est les forces dominicaines. Bon l'autre auditeur qui dit m'dou que ou étonné avec ce discours pessimiste qu'on a matin. Moi non, affaire de pessimiste là mon non. Moi ni pessimiste ni optimiste. Me te prend portrait à tout à l'heure avant. Vous besoin réalisme. Moi même c'est moi pas capable de mentir. Moi mon bail Jean lié à si nous continuons de battre nous mentir, qui sauve nous là là? Que puis il fait trahison bouquet fleur. Si vous voulez prendre nous comme ça, laissez-le au charisme, comme je ne connais pas. Tout le monde absent tout. Mais après ça, au matin, on a obligé de lever pour essayer de prendre bouquet fleur là. Et laissez-le décourager, puis red. Ça, pour nous, attention, ça, c'est un pile fatralier. Donc, un mot de courage pour qu'on soit fait pour lever pile fatra et pour ne pas mettre l'autre pile là tout. Vous comprenez? Parce que l'autre film pas semblé avec fatra. Fatra Pio. Pas mettre tête ou non situation que même pour ramasser pile fatra, c'est y a sa idée pour boire gasoline pour mettre dans camion pour le ramasser. Pour c'est y a sa idée pour bon bac pour mettre fatra la donne. Et même que bon bac là, mon pas même mettre fatra dans bac là, mettre beaucoup de bac là. Alors, ben on a fini Michel Souka, c'est un bon petit moment qu'on passer la matin même sous bon monde. Bon qui a sauté. Et vous faire un peu le monde inquiet. Mais qui ça? Non, ça là. C'est ça que fait l'auditeur parler de pessimisme. Bon, moi, je ne me sens pas. Moment était bon, mais je ne me sens pas bien par moment. Bon, attendez, mon frère, j'aime d'où là. Réalité, c'est ça, bon. Je ne suis pas là pour me faire mentir. Femme de bain aux gens, il y a là. Ok.